Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais vous parler des raccourcis clavier dans Blender, mais d'abord je vais vous faire une petite présentation de mon actualité d'une certaine façon. J'ai pas publié de tutoriel depuis un moment parce que j'ai décidé de changer de format de tutoriel, bon, bah, pas de format en tant que tel, mais j'ai envie, en fait, bon, maintenant, je vais vous expliquer ce que je faisais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, j'enregistrais des tutoriels complètement improvisés, puis je les publiais directement sur ma chaîne. Bon, après les avoir réécoutés, je me suis dit, bon, c'est pas super quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai réussi à avoir un logiciel gratuit qui s'appelle Active Presenter, qui me permet d'enregistrer mon écran et de pouvoir faire en même temps, après avoir enregistré, pouvoir me faire l'édition en fait de ma vidéo. Donc ça va être très très bien, puisque bah, une fois que j'aurai enregistré le tutoriel, bah, je pourrai couper des parties qui ne me plaisent pas, je pourrai accélérer des parties. Je sais qu'en 3D des fois il y a des parties assez répétitives, par exemple quand on modélise plusieurs fois plusieurs parties du personnage, ou qu'on fait du sculpte un peu répétitif, ça peut être utile en fait d'accélérer ces parties là. Et sur ces parties accélérées, je pourrais toujours faire toujours commenter hein, ce que je fais. Mais bon, passer par exemple une heure de sculpting, ça peut être assez long. C'est aussi la raison pour laquelle je faisais que jusqu'à maintenant des trucs et astuces, parce que c'est vrai que les tutos de sculpting, lorsqu'on fait vraiment du sculpting, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui font du sculpting et des vidéos qu'on voit beaucoup sur YouTube sont des vidéos accélérées. Donc je vais vous présenter ici les raccourcis clavier. Donc voilà pour mon actualité hein. Tout ce que j'ai envie de dire jusqu'à maintenant. Et donc maintenant, bah, je vais vous présenter les principaux raccourcis clavier de Blender. Ou plutôt les raccourcis clavier. Donc, je vais vous présenter quelques raccourcis clavier d'abord principaux. Ensuite, je vais vous parler des raccourcis clavier un peu moins connus, mais qui sont quand même utiles. Hein. Notamment les raccourcis clavier au niveau du sculpt mode. Des raccourcis clavier qui sont assez peu utilisés, puisque la plupart du temps les gens utilisent le sculpt mode en fait avec directement la souris hein, et c'est un tort. Il y a beaucoup d'avantages à l'utiliser en fait, à utiliser raccourcis clavier dans le sculpt mode. Donc tout d'abord, on va parler des raccourcis clavier classiques hein. Donc bah, pour vous montrer les raccourcis clavier, donc déjà quelque chose de très important, bon, pour vous ça peut vous aider pour voir ce que vous faites à l'écran, ou pour montrer si vous faites des tutos, c'est d'activer un add-on qui s'appelle le Screencast Key hein, qui va vous permettre de montrer les touches que l'on tape à l'écran. Donc on active, donc là je l'ai activé hein, j'ai fait User Preferences Add-on, j'ai tapé Screen ici pour pouvoir le retrouver et je l'ai coché ici pour l'activer. Je vais d'ailleurs cliquer sur Save Use Setting, c'est-à-dire à chacun de mes démarrages, cet add-on sera activé dans Blender. Voilà. Et donc maintenant si par exemple là je fais le raccourci clavier G pour déplacer, vous voyez rien ne s'affiche, normalement quelque chose devrait s'afficher ici. C'est normal puisqu'il a besoin d'une deuxième activation. Ici, Screencast Key, il a besoin d'être démarré tout simplement. Et vous voyez ici j'ai une souris qui apparaît. Donc vous allez pouvoir voir les boutons sur lesquels j'appuie sur la souris. Voilà. Donc par contre, je vais grossir un peu la souris ici. Vous voyez ici, il y a plusieurs menus hein, pour régler la position, pour agrandir le texte. Donc le texte, vous ne le voyez pas encore, il sera en dessous de la souris. Là, par exemple, si je fais G, vous le voyez à côté. Voilà. R. Voilà. Yes. Voilà. Donc maintenant, bah, je vous ai montré très vite les principaux raccourcis clavier hein, pour le mode objet, le raccourci clavier de redimensionnement, de déplacement, de redimensionnement. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous les connaissez sûrement. Bon, bon, s'il y a des débutants qui regardent, c'est vrai que ça peut aider. Mais je vais passer sur des raccourcis clavier un peu plus avancés, les raccourcis clavier notamment de l'edit mode. Donc edit mode, donc appuyez sur la touche tab. Le CTRL R, raccourci clavier très important qui permet de faire des loop cuts, hein, vous voyez, donc des séparations dans mon cube. Et donc bah, de séparer le cube, et puis bah, ensuite bien sûr vous pouvez redimensionner ce loop cut, le déplacer, effectuer des rotations de celui-ci. Voilà. Donc on peut faire un autre loop cut par un autre sens. Hop. Voilà.
Donc un autre raccourci clavier très important qui permet d'activer directement un modifieur, c'est le raccourci clavier, donc je repasse en mode objet, touche tab, qui est contrôle plus un chiffre. Alors attention, pas les chiffres du pavé numérique. Bah tiens, ici je vais en parler des chiffres du pavé numérique. Les chiffres du pavé numérique permettent de changer la vue. Donc ici là je suis dans une vue, dans une vue perspective, hein, avec un certain angle. Mais si je veux avoir des vues, par exemple une vue de face, une vue de dessus, une vue de côté, il faut appuyer sur les touches du pavé numérique. Donc la touche 1, une vue de face, une vue de droite, donc une vue de côté, hein, donc là c'est une vue de droite quand j'appuie sur 3, et une vue de dessus avec 7. Donc 1, vue de face, vue de côté 3, vue de dessus 7. Alors maintenant, l'opposé de ces vues, donc l'opposé de 7, pour faire ça on va faire CTRL 7, ici on aura une vue de dessous, hein, bottom perspective, hein. De toute façon vous l'avez ici, hein. Ici vous avez top perspective, CTRL 7, bottom perspective, ici sur une vue de face, donc 1, donc vous avez cette vue de face, si vous voulez avoir l'autre côté, back. Ici, j'ai une vue de côté, une vue de droite. Je fais CTRL 3. Là, j'ai une vue de gauche. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des vues. Donc maintenant, on va passer à ce dont je voulais vous parler. Donc c'est de faire CTRL plus un chiffre. Donc pas assis, juste une chose, le 5. Le 5 qui permet d'avoir une vue orthonormale. Donc une vue orthonormale, ici, vous voyez, j'ai une vue perspective, une vue orthonormale. Hein. Donc c'est très simple, ici vous voyez orthonormal, ça permet d'avoir vraiment la grille bien, et ça permet de vous modéliser si vous faites de la modélisation de précision, ça peut être très pratique. Et la vue perspective, c'est pour avoir en fait le modèle en perspective. Un des avantages d'avoir la vue en perspective, c'est que vous pouvez rentrer à l'intérieur de votre modèle, hein, tandis que lorsque vous êtes en vue ortho, ben, vous ne pouvez pas. Voilà. Maintenant, si une dernière chose, vous pouvez faire des rotations. Hein, bon, bah, vous pouvez faire la rotation avec la souris en cliquant sur la molette de la souris. Comme vous voyez ici, hein, je clique sur la molette de la souris et je bouge ma souris pour pouvoir faire des rotations. Mais vous pouvez également faire des rotations avec le pavé numérique en appuyant sur 6, 4, hein, pour faire des rotations latéralement comme ça, et des rotations vers le haut et des rotations vers le bas. Hein. Vous pouvez combiner ces touches-là, hein, pour pouvoir faire des rotations dans tous les sens. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est du pavé numérique. Ah si, une dernière chose, pavé numérique, lorsque vous appuyez sur 0, vous passez en vue caméra. Hein, voilà, hop. Vous voyez la caméra ici, elle a une certaine vue de l'objet. Pour avoir la vue de cette caméra, en fait, il suffit d'appuyer sur 0 et ici vous avez votre objet vu par la caméra. Donc maintenant on va passer au raccourci clavier dont je voulais vous parler depuis tout à l'heure. C'est le fait d'appuyer sur CTRL plus un chiffre qui n'est pas forcément du pavé numérique. Hein, donc les chiffres au-dessus des lettres du clavier. Et par exemple vous faites CTRL 1 et cela ajoute en fait un modifieur ici de type subdivision avec un niveau de subdivision de 1. Donc vous pouvez faire CTRL 2, ça niveau 2, niveau 3. 4, et ainsi de suite. Vous pouvez repasser en niveau 1. Ça permet d'activer très très rapidement en fait une subdivision à l'objet. Très utile, hein, puisque la subdivision est quasiment utilisée à peu près tout le temps dans les modélisations, surtout les modélisations de type organique. Donc maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est des raccourcis un peu clavier peut-être un peu moins connus qui sont dans le Sculpt Mode. Donc ici, je vais cliquer sur Objet, cliquer sur Sculpt. Donc ici je suis en sculpt mode, c'est-à-dire que je peux sculpter mon objet. Donc là il a une géométrie assez importante, enfin assez grande, donc c'est difficile de sculpter, alors il faudra que je me mette loin, vous voyez je peux apporter des modifications en me mettant très loin. Hein. Et si je me rapproche, ben, je peux pas vraiment apporter beaucoup de modifications à mon objet. Pour cela, il faudrait que je rajoute plus de subdivisions à mon objet. Ou alors il y a un mode qui s'appelle le Dynamic Topology qui permet de créer de la géométrie indépendamment de l'objet de base.
et de pouvoir créer de la nouvelle géométrie à l'objet. Bon, j'en parlerai pas dans ce tuto, puisque ce tuto est concerne les raccourcis clavier. Si, je vais juste vous en parler, parce qu'il y a un raccourci clavier qui permet en fait d'activer ce menu dynamique topologie. Donc, dynamique topologie, très simplement, voilà, lorsque je l'ai activé, ça m'a désactivé mon subdivision surface, hein, puisqu'il n'est pas pris en compte dans le sculpt mode, donc je vais le complètement le supprimer. Et vous voyez ici, si j'appuie avec mon pinceau, vous voyez, ça recrée de la géométrie qu'il n'y avait pas avant. Et maintenant, si je repasse en mode edit, vous voyez, ça crée énormément de géométrie sur ce côté. Vous voyez ici, la géométrie est assez grande par rapport à ici. Si je donne un coup de pinceau ici, donc avant, je vais rajouter le dynamique topologie. Puisque lorsqu'on passe en mode edit, il saute. Hein. Vous voyez, ça a ajouté énormément de géométrie. Donc, pour activer le dynamique topologie, lorsque ça s'est fermé, vous devez cliquer ici, cliquer sur le menu topologie, c'est un peu embêtant. Il existe un raccourci clavier beaucoup plus simple pour pouvoir activer ce paramètre très utile. Dynamique topologie, ce raccourci clavier est CTRL-D. Donc ici, là, je suis pas en dynamique topologie. Hein. Et ici, si j'essaye de faire quelque chose, mais ça... bien que, bon, là j'ai quand même de la géométrie, donc bon, ça fait quand même des choses. Là c'est le sculpt mode classique qui entre en œuvre, et pas le dynamique topologie. Donc pour l'activer, il suffit de faire CTRL-D, et on ne le voit pas, mais il est activé. Vous voyez? Hop. Enable, donc ça veut dire que là il n'est pas activé. Toutes les parties ici sont grisées, puisque ça c'est les menus en fait du dynamique topologie, donc elles sont grisées parce qu'il n'est pas activé. Et ici, si je fais CTRL D, voilà, il est activé. Et je peux l'utiliser. Donc voilà, très intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est les brosses. Alors, on est souvent amené à changer de brosse lorsqu'on fait du sculpt, par exemple, on passe une brosse pro. D'une brosse par exemple de type brosse, hein, à une brosse de type grab, voilà, mais à chaque fois, voilà, on est obligé de hop, revenir, hop, voilà, c'est un peu répétitif, hein, on veut par exemple faire plusieurs effets, on est obligé de revenir à chaque fois pour changer de brosse. Il y a un système beaucoup plus simple pour faire cela, c'est encore une fois les chiffres, hein. Qui sont au-dessus des lettres et non pas les chiffres du pavé numérique, encore une fois, qu'on utilise cette fois-ci sans appuyer sur CTRL, directement, on appuie sur ces chiffres, et vous voyez, ça change de brosse. Hein. Vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, hein, j'appuie sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous voyez, ça me change de brosse. Alors, je viens de dire une bêtise, c'est-à-dire que pour les brosses de 1 à 10, de 1 à 9, pour les brosses de 1 à 10, pardon, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 0, on a accès aux 10 premières brosses, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 premières. Hein. Donc elles sont dans l'ordre, hein. Donc celle-là c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, enfin le 0. Et ensuite pour les prochaines, eh ben c'est CTRL plus le chiffre. Donc ici par exemple pour avoir la Nuggle qui est la 11e brosse, il faut faire CTRL 1. CTRL 1. J'ai dit une bêtise. C'est Shift en fait. C'est Shift 2 même. Parce que le 1 c'est le masque. Donc le 0 en fait c'est. D'accord, donc le 0 c'est ce layer là, et en fait ça recommence ici. Et c'est pas CTRL, c'est Shift, je vous prie de m'excuser. Et donc après, bah, on repasse Shift 1, 2. On va refaire Shift 2. Voilà.
Donc Shift 2, on a le Nouille. Shift 3, on aura le Pinch. Bon, on va tester tout de suite. Shift 3, voilà. Et ainsi de suite, Shift 4, Shift 5, Shift 6, Shift 7, Shift 8, Shift 9 et Shift 0. Shift 0, voilà, pour le twist. Donc ça permet de, lorsqu'on les a bien mémorisés, hein, et qu'on sait bien qu'il faut appuyer sur Shift avant le chiffre, ça permet d'aller assez rapidement lorsqu'on a bien mémorisé le raccourci clavier. Par exemple, hop, on peut passer directement en bob. Après, on se souvient que, par exemple, on veut repasser en clair, on se souvient que la brosse clé, c'est le 3, donc hop, on appuie sur 3, alors qu'on reste sur notre modèle. On veut repasser sur le bob, ben on repasse sur la brosse de type blob. Hop, on passe en clé, hop, sans avoir. Alors qu'avant, bon, ben, il fallait faire ça, hop, revenir là, hop, repasser en blob, hop, repasser en clé, voilà. Ça permet d'aller beaucoup plus rapidement et de changer de brosse beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc oui, une brosse très importante ici. En fait, pour changer le rayon de la brosse, il fallait en fait aller sur radius et changer en fait à chaque fois. Maintenant, il est beaucoup plus simple. Pour changer la taille de la brosse, vous appuyez sur F. Et ainsi, maintenant, vous avez voilà. Vous avez une brosse beaucoup plus grande, hein, sans avoir besoin de passer par le radius. Vous voyez, F agit directement sur le radius que vous pouvez voir ici. Voilà, agit directement. Voilà. Donc pendant que vous sculptez, par exemple, vous avez une brosse très précise. Voilà, vous voulez avoir une brosse très précise ici. Voilà, dans ce coup, vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un grand niveau de détail. Peut-être pas lui parce que ça me prend de la mémoire. Mais voilà pour le principe, donc F pour agrandir ou rétrécir la brosse. Voilà. Donc ensuite, pour changer la force de la brosse, c'est Shift F. Donc Shift F. Ici, ça va pas calculer, ça va pas faire la grandeur, mais la force de la brosse. Il faut faire attention, c'est que plus en fait on va rétrécir. Et plus la force sera importante, et plus on agrandit, c'est le contraire en fait de l'autre force, et moins la force est importante. En fait, on peut se repérer très facilement, c'est plus en fait c'est foncé à l'intérieur, vous voyez là, le noir, et plus la force est importante, et plus c'est clair en fait, et moins la force est importante. Donc ici on a une force très importante, donc on va le voir tout de suite ici. Vous voyez ici j'ai une force de 0,89. Et si je refais Shift F. Et si je grandis, vous voyez que ma force réduit. Voilà. Donc voilà, bah c'est tout pour les raccourcis clavier du Sculpt Mode, pour les raccourcis clavier que je voulais vous exposer dans ce tutoriel. Je ferai dans un prochain tutoriel, je vais exposer en fait les autres raccourcis clavier. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo-là pour me faire part de vos remarques.